Qu'est-ce que c'est? Ma chère Zoé, c'est avec grand plaisir que je t'invite à la découverte du monde sous-marin. Je serai ravie de te servir de guide pour te présenter les habitants des petits fonds et te faire découvrir tous leurs secrets. N'oublie pas ton masque, tes palmes et ton tuba. À très bientôt, ton ami Octave le poulpe. Oh, je vais aller tout de suite m'équiper. Après avoir enfilé sa combinaison, Zoé s'assoit au bord de la plage pour mettre ses palmes. Elle crache dans son masque et le rince afin d'éviter l'apparition de buée. Puis, elle coince son tuba sous la lanière de son masque. Ça y est, Zoé est prête pour une petite balade sous-marine. Avec les palmes, mieux vaut marcher à reculons. Octave le poulpe, impatient de retrouver Zoé, l'attend près de sa cachette. Bonjour Zoé! Bienvenue chez moi. Tout va bien avec ton équipement? Parfait. Alors allons-y. Octave commence sa visite guidée. Il est très fier de présenter les habitants des petits fonds. Regarde Zoé, voici deux algues. Elles vivent près de la surface car elles ont besoin de la lumière du soleil. L'acétabulaire ressemble à une petite ombrelle. Et la padine est enroulée en forme de cornet. Oui, tu as raison, Zoé. Sur ce rocher, il y a une blennie. Au-dessus de ses yeux tout ronds, tu peux voir deux tentacules touffus. Ce poisson est très courageux et n'hésite pas à s'attaquer à des espèces plus grosses que lui pour défendre son territoire. Là, tu peux voir un triptérygion mâle. Il possède de belles couleurs vives. Son corps est rouge ou jaune, avec une tête noire. Il vit en couple et sa femelle n'est jamais loin. Mais elle est bien camouflée avec sa couleur brune. Il est facile de retenir le nom de cet habitant en forme d'étoile. C'est une étoile de mer. Elle possède des petits pieds ventousés qui lui permettent d'avancer lentement et de se maintenir accrochée dans toutes les positions. Oups, voilà les girelles. Les mâles sont appelés girelles royales. Sur leur corps turquoise, tu peux voir une ligne orange qui zigzague. Les femelles ont une robe marron rayée de jaune orangé. Les girelles sont très actives durant la journée. Leur nage est rapide et saccadée. Mon ami Bernard l'ermite est un curieux crustacé. Son abdomen est mou et il doit absolument le protéger. Du coup, il vit dans une coquille vide qu'il a empruntée. Tu le reconnaîtras facilement avec ses pinces poilues et ses beaux yeux bleu-vert. Zoé, regarde les petits poissons noirs avec leur queue fourchue. Ce sont des castagnoles, encore appelées hirondelles de mer. Ces poissons vivent en banc durant la journée et nagent au-dessus de la Posidonie ou des rochers. Ah, bien vu, Zoé. Voici une ascidie rouge. C'est un animal solitaire qui vit fixé et qui ressemble à un petit sac percé. Grâce à ses deux trous, l'acidie filtre l'eau de mer pour pouvoir manger. As-tu vu la rascasse posée sur le fond? Elle est bien camouflée. Son corps est recouvert de nombreuses excroissances de chair. Elle se déplace peu, mais attention à ses rayons venimeux qui dégagent un poison extrêmement douloureux. Ce poisson, qui possède deux longs barbillons sous le menton, s'appelle le rouget de roche. Il creuse inlassablement les sédiments pour déterrer et manger petits vers, mollusques ou crustacés. Regarde, au-dessus de l'herbier, il y a un banc de saupe. Ces poissons sont de couleur gris-argenté avec de belles lignes dorées. Ils sont herbivores. Grâce à leurs petites dents, ils broutent efficacement les feuilles de Posidonie. Si tu observes bien les fonds sableux, tu peux découvrir un petit poisson plat. Bravo Zoé! Il s'agit du rombou. Il est invisible et parfaitement camouflé grâce à sa forme et à la couleur de sa peau. Son aspect est très curieux car son œil droit a migré vers le côté gauche. Zoé n'imaginait pas qu'il y avait autant de vie sous l'eau et si près du bord. Nous sommes très nombreux à vivre dans les petits fonds. Mais il faut avoir la patience de nous observer. Tu peux revenir quand tu veux, Zoé. J'ai encore de nombreux amis à te présenter.
Merci Octave, avec toi j'ai appris plein de choses, c'était formidable. Tu seras toujours la bienvenue Zoé. Au revoir et à bientôt.